Et on est sur Krail pour un petit duel d'invocateur, Sadida Ossa. L'Ossa du coup qui prend l'initiative, qui va poser son petit crackler, un petit workmage. Bah, on a pas mis. Si on a mis le crapaud sur le. On a mis le crapaud sur le crackler. Alors le match-up plutôt à l'avantage du Sadi en réalité. Il se régène énormément avec son sacrifice poupesque et surtout sur les cracklers qui ont des faiblesses AJ. Enfin faiblesses R pardon. Alors on va voir, est-ce que... Ah, parce qu'il y a deux écoles. Il y a deux écoles pour le match-up. Est-ce qu'on va debuff le crackler? Ou est-ce qu'on va poser les poisons et se debuff? On va poser les poisons et se debuff. Taper sur ce crackler. Ouais, qui réduit pas mal hein, avec son crapaud. Ça... un petit peu de dégâts, qui prend un petit peu de dégâts pardon avec avec les poisons qui vient se mettre en ligne. Bah, on va y aller à la cinglante, 40% de réseau sur le Sadi évidemment hein, avec la panneau cutane. On va sortir un petit dragonnet, on va se debuff les poisons, c'est bien vu. On se protège avec une petite cavotte au passage, on va du coup prendre une herbe folle évidemment. Dommage qu'il fait 0 dégâts, on doit avoir beaucoup de résistance fixe pour Squeeze. Crackler qui va survivre à 30 HP avec les poisons, qui va pouvoir mettre du coup 2 petits écrasements de plus. Ça fait quand même pas mal de dégâts. Le feu de boost qui va suffire à s'en débarrasser. L'herbe folle qui va kick un seul PM, pourtant 102% des trucs, c'est pas énorme. Et la ronce aggro qui va crit sur le Borkmage. 3 HP, alors là c'est pas de la malchance puisque de toute façon la ronce aggro en crit c'est un jet fixe. Mais bon, 300 HP, 3 HP, pardon, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Allez, Wolverine qui va pouvoir fouetter l'arbre, et avec un crit, ça one-shot, malgré les grosses résistances neutres. Et on s'avance, on n'a pas de ligne de vue, hein, donc on va y aller au corbeau, pardon, décidément. Oh, le Doppel qui a crit sur son croc du mulou. 60%, c'est pas trop mal. Bien placé, évidemment. Le déplacement félin, on n'a pas invoqué hein, avec. On n'a pas invoqué autour de soi pour Wolverine. Profiter. Faire profiter une invocation du déplacement félin du Doppel. Là, on se retrouve avec pas mal de PM par contre. Hein. On en perd un avec cette herbe folle et pourtant on en a toujours 10. Le poison paralysant, c'est très bien vu. On va évidemment essayer de les spammer autant que possible hein, pour Squeeze. Vraiment, c'est un sort qui fait tellement de dégâts. J'avais une chaos, on va se régène dessus. Bon, va sûrement se faire fouetter de toute façon si elle gêne. Ouais, plutôt fouetter la surpuissante hein, qui pourrait être problématique. DPM à toutes les invoques. Pas vraiment ce qu'on veut du côté de l'Ossa. On va sûrement aller chercher un fouet sur la surpuis. Il devrait avoir la portée quand même. Voilà, elle tiendra pas longtemps cette surpuissante. Et on va spammer les corbeaux qui font quand même pas mal de dégâts. Hein. On est un petit peu buff par les sorts du Doppel. Il va mettre quelques dégâts malgré l'absence de ligne de vue sur ce Sadida qui est à 2500 HP. Qui se régène comme il peut sur des invoques sur des arbres. Car quand même pas mal de points de vie. Prendre le gros poison paralysant à 150 sur l'Ossa. Et ce dragonnet qui est là, qui pour l'instant ne peut pas faire grand chose, mais. Mais le CD revient petit à petit pour Wolverine. Une herbe folle. Bon, après, c'est un dragonnet hein, avec 90% de reste-feu. Pas beaucoup de points de vie. Bon, il est tellement loin que perdre des PM, bon, ça va pas changer grand-chose. On arrive à trouver des feux de brousse qui font quand même pas mal de dégâts. Et on est plutôt even maintenant en HP. Mettre une petite folle. Wolverine qui n'a pas grand chose à faire. On a le retour du crackler, ceci dit. On pourrait s'avancer pour l'envoyer. Ouais, on va faire une zone du coup avec le Doppel Ossa. On va sortir un workmage plutôt. Ok.
PA. Caspi, qui on va pas utiliser trop de PA. On a le poison paralysant. Et là, Swizz, s'il veut trouver un poison paralysant à replacer, il va falloir s'exposer un minimum. Qui fait quand même quelques dégâts à force. Hein. Il a même pas de crit de l'ours. Et le sacrifice poupesque. Et ouais, le bourgmage, c'est une invoque qui a énormément de résistance air par contre. Le sacrifice poupesque est pas hyper intéressant. On peut aller chercher éventuellement la diagonale pour. Ouh, on va tuer la cabotte. Ok. Mais on n'a plus les PA du coup, malheureusement, avec cet échec critique pour mettre un deuxième poison paralysant sur, sur l'ossa. On va rush. Il reste 2 PA. On essaie de tuer ce presspeak, mais ça n'a pas crit. Peut-être à. Ah non, je pense. Vu les restes, c'est pas une lopodèse. Il est peut-être à l'arc en vrai, cet ossa. Je pense qu'il est à l'arc en vrai. Et on va y aller à la frappe du crackler. 33% de reste-feu sur le Sadzi. Qui tank assez bien. Après, c'est un sort assez aléatoire, hein, la frappe du crackler. On va mettre un petit doppel. Un petit sanglier, pardon, je regardais le doppel. Un petit sanglier pour virer le Sadzi. Ouais, ce sanglier qui a pris la piqûre motivante. On l'envoie au loin, du coup on n'a pas replacé de crackler et en plus on n'a plus de piqûre motivante pour lui si on le réinvoque. On va se débarrasser de ce sanglier. Belle zone qui est trouvée par Swizz qui va évidemment mettre la ronce apaisante et le poison paralysant qui est maintenu, mais du coup on n'a plus le premier pour l'ossa, donc on n'a qu'un seul poison paralysant à la fois. Parce que quand on en a deux, ça peut faire vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts. Ben, on l'a vu, hein, ça peut monter à plus de 300. Mon colossal. Paul qui va cliquer 2 PA au Dragonnet. Dragonnet qui pourra taper dessus. Ah, c'est peut-être un petit peu dommage de la fouetter cette folle. Dragonnet avait tapé dessus, il aurait donné des dommages à tout le monde. Et on va y aller à la griffe cinglante, toujours pareil. Un petit peu dessus avec des spells à distance et les points de vie qui descendent pas trop vite, mais en vrai pour un match-up comme ça je trouve que c'est quand même, ça joue quand même assez agressif. Et Swizz qui pourrait aller taper éventuellement sur ce dragonnet rouge. Voilà, on va prendre l'herbe folle Wolverine. Assez étonnant qu'on n'ait pas tapé du coup sur l'ossa. De toute façon on comptait se déplacer après, donc on perd un petit peu de dommages dessus, c'est dommage. On a éventuellement un sacrifice poupesque à placer. Non, on va pas le faire. On va se protéger derrière un arbre, le sacrifice poupesque qui était réservé pour l'arbre. On se régène un petit peu, malheureusement ça va usser encore une fois pour le Sadi. Et le fouet par contre qui ne va pas crit, hein, donc l'arbre qui survit, bon après... une petite griffe cinglante et ça devrait passer tranquillement. Le dragonnet du coup qui va pouvoir taper. Je crois qu'il a pas tapé une seule fois du combat encore et pourtant il était invoqué assez tôt. Protège avec une petite kawotte. Le retour du déplacement félin, ça peut faire la différence en vrai. Et le drago feu qui est parti, qui fait quand même pas mal de dégâts. Pour l'instant c'est assez tendu, on est à 1600 des deux côtés. Débarrasser de ce dragonnet. Un ronce multiple pour taper un petit peu sur l'ossa. On pensait que ça suffirait. On pensait que ça suffirait sur le dragonnet. Mais ouais, 45% de rester, hein, le dragonnet. Donc forcément, on arrive à bien tanker cette ronce multiple. On va tout de même s'en débarrasser avec un petit feu de brousse. Et la surpuie qui est réinvoquée. Bon, qui devrait pas durer longtemps. Hein. On en est tous bien conscients. Et là on est tour 9, ça veut dire que si on avait réinvoqué le crackler on CD, eh bien on l'aurait de nouveau et ça n'a pas été le cas. Et c'est vrai que le crackler c'est peut-être pas la meilleure invocation contre le Sadida de toute façon.
Et ça continue d'aller la griffe cinglante. Et c'est bien un arc. Hein. C'est bien un arcadie sur Wolverine. Ça va double crit. Ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Swiss qui se retrouve à 500 HP. Et en vrai, ça va être très compliqué pour ce Sadidas. Je ne vois pas comment il termine. Et je ne vois pas comment il survit le tour prochain. Je pense pas qu'on ait le retour de la ronce apaisante. Donc même si on débuffe l'Ossa, il aura quand même pas mal de PM pour les taper. Là, c'est compliqué. Hein. Herbe folle pour qu'il 2 PM. Ouais, c'est compliqué là pour Swiss qui va se protéger avec un arbre. Mais Wolverine a trop de PM. Et c'est même pas un arbre, c'est une cahuète. Donc une cahuète n'a aucune chance de survivre à un coup de fouet. Là logiquement, ça devrait passer pour Wolverine. En vrai. Ouais, full cinglante, ça passe pas. Il fallait tenter un coup d'arc, mais ça peut. C'est. Ok. Ça va passer. C'était tendu, c'était sympa. On est sur Krayl, matchup Sadi-Ossa encore une fois, petit matchup d'invocateur. Avec Universal et Wolverine qui a toujours l'initiative, qui va sûrement poser son petit crackler. On suit. Et on crée une petite zone évidemment avec le Workmash pour donner des PA, des PM. Hop, un petit peu la musique, désolé. Alors, du coup, le crackler qui va pouvoir taper sur ce Sadida qui a quand même 134% d'esquive. Donc, logiquement, on ne devrait pas perdre trop de PA avec les écrasements du crackler. Alors, on n'en perd pas. Ok, on n'en perd pas. On perd quand même pas mal de points de vie, évidemment, avec les deux coups d'écrasement. Il y a à 3000 HP pour le Sadida. Alors, on va mettre le sacrifice poupesque sur le crackler et on va aller chercher la zone pour mettre les poisons et se debuff. Rin sûrement qui va se debuff de son côté avec le dragonnet. Et la petite herbe folle. Il reste 3 PA, on va se protéger avec un arbre. Mais non, on va mettre une surpuissante. Ok, c'est une surpuissante qui va probablement se faire fouetter directement. Oh, par contre, on kick énormément de PM du côté de cette fourbe. Moins 3 PM sur le crackler qui ne pourra pas taper du coup. Après, logiquement, il pourra taper puisqu'on peut mettre le déplacement félin. Pas été utilisé au premier tour. Par contre, il faudra qu'il crit. Ah non, sur les invoques, c'est 4 minimum, il me semble. Donc, pas de problème. Et petit soin animal sur le crackler. Est-ce qu'on va se debuff les poisons? Ce serait vraiment intéressant de le faire. Ouais, et on va le faire. Ok, on va le faire. C'est bien joué. Et un petit Prespi qui va donner le contre. Et les avocats qui vont taper, mais qui ont les poisons. Hein, donc... On va petit à petit pouvoir s'en débarrasser du côté d'Universal. On perd quand même un PM sur la tornade. Et du coup, par contre, un peu dommage, hein, le Workmage qui éloigne le Sadida. Et le Crackler qui avait pile les PM pour aller taper, bah, qui ne peut plus. Et en plus, il va se faire des bobs par ce sacrifice poupesque sous crit. On a une petite zone herbe folle pour le Sadi. On va aller la prendre, évidemment. Et on arrive à se débarrasser du Prespic en un seul coup. On peut mettre des feux de brousse sur le dragonnet, le géo qui peut faire beaucoup beaucoup de dégâts évidemment. Et on va trouver la ligne de vue, une très belle ligne de vue pour le poison paralysant. Et finalement c'est l'Ossa qui va taper, qui va se faire taper. Et Wolverine du coup qui n'a pour l'instant pas de crackler, on va y aller avec des grises par contre. Oh, seulement 10% de reste-feu sur le Sadi. Et ouais, on peut mettre d'énormes grises spectrales à plus de 200 en crit. C'est vraiment beaucoup. On va soigner ce petit workmage qui peut encore taper avec des éclairs en série. 3 PA pour un petit corbeau. Et Wolverine qui fait vraiment beaucoup de dégâts en vrai. Dragonnet qui est un petit peu loin. Le workmage qui va pouvoir taper un petit peu. Et on se met bien en diagonale hein, pour forcer le Sadi à utiliser beaucoup de PM.
s'il veut prendre la ligne. Le Sadik a quand même beaucoup de sorts en ligne. Et d'ailleurs, ben, 3 de ses sorts en ligne vont être utilisés sur l'Ossa. Bon sacrifice poupée, ce qui a quand même régène pas mal, du 250. On va se débarrasser de cet arbre avec un petit coup de fouet. Et on va continuer d'aller avec des griffes spectrales. Par contre, on a pris pas mal de dégâts avec cette ronce agro sous crit. Universelle qui a l'air d'avoir pas mal de force. Après seulement 12% de résistance terre pour Wolverine, forcément la ronce agro, si elle crit, elle peut faire beaucoup de dégâts. On va se protéger derrière une petite cahuote. Et ouais, le poison paralysant qui continue à faire beaucoup de dégâts aussi. Orcmage, est-ce qu'il a encore... Ok, c'est pour un bon moment encore, le tremblement, ils vont empoisonner. Orcmage qui devrait tomber. La carotte pour l'instant qui survit à 77 HP, on va devoir cramer une petite famille de plus, 7 PA il reste. Et on va mettre un autre poison paralysant, la ronce agro qui ne crit pas mais qui est très très proche du G-Max. Wolverine pour l'instant qui se fait un petit peu malmené. Hein. Le Sadik a beaucoup beaucoup de dégâts, on est tour 5. Le Crackler qui revient, on met le petit Doppel qui va pouvoir donner les PM. On va protéger ce Crackler avec un crapaud. On prend 400 dégâts sur ce tour avec les poisons paralysants, c'est vraiment énorme. Et le Crackler qui a pile les PM, c'est bien calculé ça du côté de Wolverine. Crackler qui va pouvoir taper un petit peu. Il a pas les PA hein, pour mettre deux coups. Et ça dit en plus qu'il esquive tout. Il détacle évidemment hein, avec sa panneau. Pas mal d'agilité. Et c'est une baguette LR qui est sortie par Universal qui va venir démonter cette Ossa. Je m'y attendais pas à ce que ça se finisse aussi vite. Mais bon, c'était sympa. Et on est sur Boon, duel Panda Sacri. Panda qui prend l'initiative et qui va, j'ai l'impression, ouais, directement. Des coups de bâton, des coups de chope panique, malheureusement. Le deuxième coup qui va EC. On va passer son tour. Ah, c'est triste. C'est un peu triste pour Zonguito. J'ai l'impression, avec des bottes du melou, avec moins 2% de rester. Et ce Sacri, du coup, qui sort une petite loponaise. Ah, Sacri, ouais, avec le mode OR. On voit qu'il a une cape roi Sing. Allez, la stab qui est utilisée par Zonguito. On va enlever des critiques au Sacri. Et on va continuer de cac. Du coup, il a toujours sa maîtrise. Hein. Toujours sa maîtrise. Donc au final, ça fait 3 coups de cac avec maîtrise. Ce qui est parfaitement correct hein, pour un Pandawa. Ouais, le Doppel qui est sorti, on lui met la petite douleur partagée. Mais bon, normalement, Zonguito devrait créer des zones pont d'attaque ou bâton pour débarrasser de tout ça. Le match-up hein, qui est pas évident, qui est très technique hein, d'un côté comme de l'autre. Et Zonguito, j'ai l'impression qu'il ne veut pas du tout la jouer technique, qui vient full cac une nouvelle fois ce Sacrieur. Pour l'instant ça fonctionne, mais attention parce que le Sacri, il se fait châti, il se rapproche d'une zone punie. On n'a pas des buffs en plus. Là il a quand même genre 2 tours de châti. Bien tapé du coup avec cette loponaise qui fait beaucoup de dégâts. En plus on a un petit peu d'agilité avec les pieds du Sacri. Mais il se régène sur le Doppel, on le booste au passage. Et ouais, en un seul tour, ce Sacri qui a fait énormément de dégâts avec ses coups de loponaise. Ah, et le Doppel qui tape assez fort hein, avec la douleur partagée. Là, Zonguito, on pourrait peut-être faire une zone. Alors, est-ce que c'est une zone point d'attaque ou une zone bâton? On va jouer bâton. On continue de forcer avec ce bâton pour Zonguito. Mais attention, parce que là, le Sacri est clairement en zone punie. Ça peut faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Et si la picole n'est pas crit, ok, la picole est crit, donc on est à 50% de res neutre. On va kick un petit peu de dommage sur le Sacri, mais on va pas le debuff. Donc là, on risque de prendre très très cher, hein. Ça va être puni de coups de cac. Et petite punition qui ne crit pas. Oh, regardez cet énorme coup de loponaise alors que ça n'a pas crit. Ah, c'est là qu'on voit à quel point ce corps à corps est aléatoire. Allez, on se débarrasse du Doppel.
Ah, le détour malgré le... La stab, donc forcément ça marche pas trop. Je suis même pas sûr que tuer le Doppel c'était vraiment ce qu'il voulait. Zogito du coup qui va se faire une petite zone bâton avec son Wasta pour se régénérer. Encore un ECK, décidément. Décidément ce champ de panique a l'air d'être mal taillé. On l'a une nouvelle fois échappé des mains pour Zangito et du coup on donne une zone dissolution à Sacrissapousse qui du coup est bien châtie hein, en eau. Ah, c'est un petit peu catastrophique là pour Zangito, le pauvre qui a pas eu de chance, hein, il faut le dire, avec ses deux CK.